Nous voilà à la fameuse tour de la Dame Blanche. Bon, a priori, j'ai pas le droit d'y aller, mais je vais visiter. Mais j'ai demandé à une dame qui m'a dit c'est bon, vous y allez. C'est marrant, plus parce qu'avec ces corbeaux qui volent autour, ça fait vraiment effectivement la tour un peu maudite, mystérieuse. Ça va bien. Alors, petite correction avant que je me prenne un procès en mensonge historique. J'ai dit des bêtises tout à l'heure, c'est quand j'étais dans l'église là, puisque maman vous verrez ça avant. C'est pas Blanche de Castille, hein, la Dame Blanche, c'est Blanche de Navarre. C'est de l'autre côté des Pyrénées dans les deux cas, mais c'est pas la même personne. En fait, Blanche de Navarre, c'était une reine qui vivait à Pampelune, et en fait, le roi Philippe VI, un Valois, dont Philippe le Bel était l'oncle, donc c'était son neveu. Parce que vous savez, en fait, Philippe le Bel, il a fait arrêter les Templiers, avec la complicité des gars du pape et tout ça. Et il y a eu cette malédiction qui avait été lancée par Jacques de Molay, le grand maître Templier, qui sera brûlé au bout de l'île de la Cité, suite au procès, qui l'avait maudit. Philippe le Bel et sa lignée, qui lui avait dit, bah voilà, en gros, t'alignes à la fois toi, tous les gens qui avaient détruit l'ordre du temple, vous allez tous mourir dans les années qui viennent à la tombe tout en camon, quoi. Bah, ça a pas raté, hein. Philippe le Bel, il meurt un an après en tombant de cheval. Son fils, il avait un fils, un petit-fils, enfin, plusieurs fils, enfin, normalement, la lignée était assurée, quoi. Bah, ils vont tous crever en quelques années. Et d'ailleurs, la lignée de Philippe le Bel s'éteindra, et c'est là qu'on passera des Capétiens directs aux Valois, puisque jusque-là, on parlait du miracle capétien. C'est-à-dire que, bah, jusque-là, depuis Hugues Capet, depuis 987, donc pendant 300 ans, chaque roi de France, bah, il a eu son fils aîné pour lui succéder. Ce qui est quand même, bon, en termes de probabilité, c'était quand même assez rare et assez exceptionnel, et donc on a parlé de miracle capétien pour expliquer qu'en fait, bah, pendant 300 ans, aucun problème de succession, ça déroule tout seul, puisqu'à chaque fois, le fils aîné, ou à défaut le fils cadet, bah il est vivant, il est là, et puis quand le roi meurt, son père meurt, et ben hop, il devient le nouveau roi, et puis il a à nouveau lui aussi un fils, un héritier, et on enchaîne quoi. Jusqu'à Philippe le Bel qui a eu le malheur de détruire les Templiers et de se prendre la malédiction de Jacques de Molay. Donc du coup tout ça pour dire que à un moment il faut aller chercher quelqu'un de sa famille, mais qui n'est pas directement son fils après sa mort, qui est Philippe VI de Valois. Alors lui il se retrouve veuf vers 55 ans. Et il a envie d'épouser une certaine Blanche de Navarre, qui a 17 ans, dont il est tombé amoureux. Alors apparemment, d'ailleurs, l'ami Philippe VI, il mourra très peu de temps après avoir épousé Blanche de Navarre. Selon les chroniques, il serait mort d'épuisement amoureux. Alors je vous fais pas un dessin. Ils avaient le sens de l'euphémisme à l'époque. On sait pas trop. Je sais pas s'il nous a fait une Félix Faure, mais en tout cas, il meurt. Et donc Blanche de Navarre, la malheureuse, bah... qui se retrouvait reine de France, bah, quelques années après finalement après avoir épousé notre ami Philippe VI, roi de France, et ben elle se retrouve veuve et elle refusera de se remarier. Et alors elle va s'installer ici, à Nauphle-Saint-Martin. Alors ici avant, il faut se dire qu'il y avait tout un château, hein. Il reste que la tour parce que c'est Mazarin, et notamment sous la politique de Richelieu, en fait, le cardinal de Richelieu, vous savez, c'est vraiment celui qui a installé la raison d'État, la centralisation du pouvoir monarchique, et qui a vraiment voulu casser le pouvoir des grands seigneurs, des grands féodaux, et d'affirmer l'autorité du roi de France. Et une chose qu'il avait fait, notamment, le cardinal de Richelieu, c'était de faire raser 2000 châteaux forts qu'il y avait un peu partout en France, parce que ces châteaux forts, ils servaient plus pour la défense, par contre, ils étaient pratiques pour les rois et pour les seigneurs, pour avoir une belle forteresse où se réfugier, et puis dire un peu au roi, je t'emmerde et je rentre à ma maison. Donc voilà. Et donc bah, ce château, c'est à ce moment-là qu'il aurait été en partie détruit, quoi. Et donc ne reste que cette tour. Et donc il y a toute cette légende que Blanche de Navarre, qui a vécu la fin de sa vie ici, à Nauphle-Saint-Martin, elle aurait beaucoup œuvré pour la population, elle aurait supprimé les impôts, ce qui arrive pas souvent dans l'histoire de France, donc en général les gens sont plutôt contents. Et voilà, elle a beaucoup œuvré, charité chrétienne et tout ça. Elle a laissé un souvenir assez mémorable aux populations, donc un peu une sainte. Et du coup, bah, elle est restée, après qu'elle ait perdu son mari, elle est restée veuve. Elle s'est pas remariée. Et donc, selon les légendes, eh ben, elle entrait un peu toujours la région.
Pareil pour l'abbaye de Mortemer, qui est pas très loin, qui est aussi associée justement à cette légende de la reine blanche, la dame blanche. Alors on donne souvent le terme de blanche à une reine un peu pure qui s'est retrouvée veuve. C'était aussi les habits du deuil à l'époque. Et cette tour, alors il y a aussi une légende locale, toujours la tradition, hein, qui raconte qu'il y aurait un souterrain qui relierait cette tour au château de Gisors, qui est quand même à 3-4 km. C'est un archéologue notamment qui a fait une étude sur la tour au 19e siècle, si je dis pas de bêtises, qui mentionne ça. Quand il le mentionne, il dit que d'après la tradition, non seulement il y aurait un souterrain qui rejoindrait Gisors, notre château entre guillemets templier, à cette tour, mais que même ce souterrain, il irait jusqu'à Château-Gaillard et les Andelys, donc la fameuse forteresse construite par Richard Cœur de Lion en réponse à Gisors, qui était, on va dire, un verrou et une forteresse française, qui va construire sa petite forteresse anglaise, que d'ailleurs les rois de France devront aller prendre, ce qu'ils réussiront à faire d'ailleurs, mais c'est une autre histoire, comme on dit. Et donc, d'ailleurs, des légendes de souterrain, il y en avait beaucoup hein, dans l'histoire de France, des histoires de souterrains qui partent sur des kilomètres et des kilomètres. Il faut reconnaître que le lieu se prête pas mal à des histoires de légendes et de souterrains quand vous voyez, regardez, cette tour, je la découvre avec vous. Hein. C'est vraiment la magnifique ruine romantique. Voilà. Souterrain ou pas, s'il y a, je ne sais pas. Même s'il y en avait un, j'aurais pas très envie d'aller faire 5 km sous la terre. Mais le lieu est charmant en tout cas. En tout cas, techniquement, je ne suis pas là et vous ne me voyez pas puisqu'il faut demander pour visiter. Je pense qu'il y a des visites guidées qui sont organisées par la mairie. Donc je ne suis qu'un simple fantôme ici, et vous n'avez rien vu. Bon, bah, nous voilà. Dans l'abbaye de Mortemer, notre fameuse abbaye de la Dame Blanche, qui n'est pas la même Dame Blanche que nous avons vue tout à l'heure, puisque la Dame Blanche que nous avons vue dans la tour de Naufle, c'était Blanche de Navarre, enfin, qui était donc la veuve d'un roi de France, et ici c'est une autre Dame Blanche qui entrait des lieux, c'est la grand-mère de Richard Cœur de Lion, qui s'appelait Marguerite d'Empirès. Qui s'est battue et d'ailleurs pour que son fils accède au trône d'Angleterre. C'est marrant parce que en plus la météo aide un petit peu, mais on se croirait presque en Irlande ou en Écosse avec cette ambiance là. C'est vraiment les ruines romantiques par excellence. Alors, il reste pas grand chose de cette abbaye qui était déjà plus ou moins abandonnée quand la révolution est arrivée, parce que tristement il y a beaucoup de choses qui ont été détruites un peu partout en France au moment de la Révolution. Cette abbaye-là, elle a été fondée du coup. Elle est quand même très 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 vieille. En fait, ici, on est au milieu de la forêt de Lyon, donc il y a quand même une grande forêt du Vexin. Donc on est vraiment à la frontière Normandie-Picardie en allant vers l'Île-de-France. Et donc on est dans un petit vallon très marécageux avec des étangs, d'où le nom de Mortemer, hein, mer morte, pour signifier effectivement qu'on était un peu dans un endroit très très humide. D'ailleurs la vie pour les moines n'était pas forcément facile ici. L'hiver, il y avait beaucoup de vent, avec l'eau et l'humidité, c'était assez glacial. Surtout qu'ici c'était des moines cisterciens, donc c'est vraiment c'est pas des moines qui menaient une vie de luxe, enfin de débauche, ce serait pas du tout le mot. Mais voilà, cistercien, c'est vraiment règle de Saint-Benoît pur et dur, ascétisme, travail, prière, méditation. On dort tous dans le même dortoir. Sur un lit de paille, voilà, c'était assez strict et assez rude. Là, le travail était vraiment une des valeurs cardinales. Et donc cette abbaye, en fait, cet endroit où on est là, cette région du Vexin, elle est stratégique depuis un bon moment, puisque si vous vous souvenez un petit peu de vos cours d'histoire au 8e, 9e siècle, qu'on a les raids vikings qui se font sur toutes les côtes du nord de la France et qui remontent notamment les rivières, la Seine, même aussi du côté de la Loire, la façade atlantique, mais beaucoup au niveau de la Seine.
Et donc la Seine ici, elle est pas très loin. On est à quoi, à 20-30 km de Rouen, si je dis pas de bêtises. Et pour acheter un petit peu la paix, je sais plus quel roi carolingien donnera à Roland, le chef normand, la Normandie. Donc, le duché en fait sera cédé, on va dire, aux Vikings pour faire simple, aux Scandinaves, qui feront souche là en partie. En échange effectivement d'arrêter les razzias. Et d'ailleurs, les Vikings vont vachement développer là. Enfin, ils vont être très efficaces dans la gestion et ils vont être très pragmatiques. Ils vont à la fois reprendre le droit romain, quand même respecter les traditions et la culture et la religion chrétienne. Et en même temps, ils vont s'avérer des très bons gestionnaires. Et très vite, la Normandie, le duché de Normandie deviendra une des régions les plus riches et les plus prospères de France. Et ce qui donne un peu de la jalousie du côté du royaume de France. Alors après, si vous vous souvenez, 1066, Guillaume le Conquérant, le comte, duc de Normandie, qui part à l'assaut de l'Angleterre et du coup qui va conquérir l'Angleterre et donc qui va unifier en fait, on va dire, les deux rives de la Manche, puisque il va créer un royaume qui compte à la fois du coup le duché de Normandie et du coup le nouveau royaume d'Angleterre. Ce qui crée quand même quelque chose de très puissant, qui a un pied par définition en France. Et après, c'est de là que va commencer un peu cette rivalité très importante entre la France et l'Angleterre, qui va durer jusqu'à la fin de la guerre de. Enfin, la rivalité France-Angleterre, elle va durer jusqu'au 19e siècle, à vrai dire. Mais surtout que ce qui va se passer après, c'est qu'avec les Plantagenêts, vous avez une lignée royale, les ducs d'Anjou qui vont arriver sur le trône d'Angleterre. Donc finalement, qui après auront des droits à la succession de la couronne de France. Donc finalement, en fait, vous avez deux lignées royales, deux maisons royales françaises qui pourront prétendre à la couronne de France, ce qui va déclencher la guerre de Cent Ans, qui est une guerre civile et une guerre dynastique, en fait, hein, et pas du tout une guerre d'indépendance ou moderne, patriotique, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Enfin bon. Et du coup, cet endroit-là, ici, était très stratégique, puisqu'on était à la frontière, justement, de ce duché de Normandie, de cette Normandie viking, avec des grosses guillemets. Et donc qui sera pas mal fortifié par les Carolingiens. Et puis après, on a vu avec Gisors, hein, il y aura ce différent frontalier. Pendant longtemps, pendant plusieurs siècles, ce sera une frontière ici, cette région, entre la Normandie et l'Île-de-France. Et donc du coup, ce sera un endroit tendu. Il y aura cette tension frontalière entre la France et l'Angleterre, ce qui explique qu'il y avait beaucoup de châteaux, de forteresses qui ont été construits. Et donc cette Mortemer, l'abbaye, alors j'ai un doute si elle est fondée justement avant l'an 1000 ou un petit peu après. En tout cas, la fameuse Mathilde, la grand-mère de Richard Coeur de Lion, elle va venir terminer ses jours ici. Elle va beaucoup de faire donner et financer l'endroit. Ce sera un peu une des grandes bienfaitrices du lieu. Et elle aurait terminé ses jours ici. Alors techniquement, elle est enterrée à la cathédrale de Rouen. Et donc c'est là qu'il y aurait ces légendes du fantôme de Marguerite, Mathilde, pardon. Qui entrait les lieux, et sachant que ce serait un fantôme parmi d'autres, parce que à la Révolution, il y a aussi les quelques moines qui étaient encore là. Il y en a plusieurs qui ont été, il y en a quatre qui auraient été massacrés dans le cellier là-bas, si je dis pas de bêtises à nouveau. Et au 19e siècle, on avait des légendes, des traditions de ces quatre moines, dont on aurait vu les fantômes justement qui entraient le cellier, qui se promèneraient, qu'on aurait vu. Planer au-dessus des ruines de l'abbaye, donc ça fait pas mal de fantômes tout ça, mais c'est quand même assez sérieux entre guillemets, au sens où cette problématique de fantômes, parce que la maison était vraiment considérée comme hantée au 19e siècle, puisqu'après en fait vers la Renaissance là l'abbaye est plus vraiment dans ses grandes heures. Par contre, il y a une petite propriété de noblesse qui s'intéresse là, il y a un palais abbatial qui va être construit, donc si vous voulez, ça forme une espèce de pavillon de chasse et un habitat de la petite noblesse. Et voilà, qui vont perdurer après au XVIIe, XVIIIe siècle, IXe siècle, et qui a priori se plaindraient qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans la maison, des volets qui claquent, des trucs qui bougent tout seul. Enfin bon, et du coup la maison sera quand même officiellement exorcisée en 1921. Il y aura carrément une exorcisation officielle du lieu, et apparemment, je discutais avec le propriétaire, il y aurait peut-être même eu une deuxième exorcisation aussi, possiblement, qui aurait eu lieu. En tout cas, c'est un très beau lieu, vraiment des très belles ruines. Il y a la pluie qui arrive là, mais ça, on va dire, ça va très bien dans l'ambiance Irlande-Écosse. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression d'être à 100 km de Paris et en Normandie quand on voit les lieux.
Il y a un chouette musée aussi, justement, des fantômes en bas là qu'ils ont installé dans les dans le dans la dans l'espèce de cave en fait, qui est assez sympa avec des petites animations sonores. Si un jour vous êtes dans le coin, en tout cas, voilà, c'est un très beau lieu à visiter. Je suis à l'abbaye de Mortemer. Descend dans les souterrains. Le musée des légendes et des fantômes. Alors ici, Dame Blanche qui est ici, j'ai encore dit des bêtises parce que c'est pas la même Dame Blanche que celle que je vous ai montrée juste avant à Naufle. C'est encore une autre Dame Blanche. Elle, c'est la Dame Blanche d'ici, c'est la grand-mère de Richard Cœur de Lion et non pas Blanche de Navarre, l'épouse du veuf du roi de France. En fait, il y a au moins deux dames blanches là sur une petite zone. Ils sont bien faits ces mannequins, donc on a vraiment l'impression qu'ils sont vrais. Bon, là, vous vous en rendez pas compte, mais là, en fait, on est sous le. Alors c'est pas l'abbaye en elle-même. L'abbaye en elle-même, on va la voir après, elle est en ruine. Là, on est sous le palais abbatial qui a été construit plutôt vers la Renaissance, au XVIe siècle. Alors ici c'est sympa parce que l'abbaye c'est une belle ruine, Mortemer, parce que c'est construit près d'une zone, au milieu d'une zone très marécageuse. Et ça c'est une espèce de pavillon, palais, un peu de chasse qu'ils ont construit ici. Mais il y a beaucoup beaucoup de légendes ici. D'ailleurs ici, c'est l'endroit où on est là, il a été exorcisé au 19e siècle parce qu'il y avait les volets, les trucs qui bougeaient tout seuls. L'endroit a officiellement été exorcisé parce que il était un peu hanté par la Dame Blanche, qui est donc la grand-mère de Richard Cœur de Lion. Et là, on est en dessous. Après, on ira voir l'abbaye. En tout cas, ils ont des super belles collections. Là-haut, là, ils ont des collections de cuivre, de châsse, de porcelaine, très très impressionnantes. Là, il y a une reproduction de la fontaine Sainte-Catherine, qui est une fontaine miraculeuse, où notamment les jeunes femmes qui voulaient trouver un mari venaient mettre une pièce ou quelque chose et faire un vœu. Et c'est comme ça après que potentiellement, et en fait apparemment une fois, une dame a mis une épingle à cheveux dedans et elle a été mariée dans l'année. Ça rappelle un peu ce qu'on avait même quand vous allez en Bretagne sur les menhirs. Vous avez des légendes comme quoi, selon la tradition, les jeunes femmes qui souhaitaient trouver leur mari, qui ne trouvaient pas de mari, elles venaient faire un vœu ou se frotter contre le menhir. Ou alors les couples qui n'arrivaient pas à avoir un enfant, ils venaient se mettre tout nus et se frotter contre le menhir. Posez mes mains une seconde sur le voyant vert. Alors, technologie. Est-ce que ça va marcher? Non. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. On ira la voir après, du coup, la fontaine. Alexandre, qui est au demeurant le meilleur homme du monde, devrait donc être heureux au milieu de ses casseroles, de ses cuivres, de ses pots de terre. Oui, mais voilà, le malheur veut qu'il ait rencontré au détour d'un chaudron, tout emperlé de buée, un chat. Pas un de ces chats ordinaires qui rôdent autour des cuisines. Celui-là était un chat goublin,
c'est-à-dire ni plus ni moins un lutin qui prend forme d'animal pour mieux garder les trésors dont il a la charge. Ce chat-là gardait le trésor de Mortemer. Et frère Alexandre, qui, quand il n'était pas au fourneau, passait des heures dans la bibliothèque, connaissait, en partie, le dicton qui veut que, quand dort le gobelin, le trésor revient. Et frère Alexandre se dit... Celui-là, je le trouve... il est bien ambiançant. Là, vous avez le moine. Derrière, vous avez le fantôme de Sainte Mathilde, donc la fameuse dame blanche. Et puis, tu sais, la lumière, elle s'allume et elle s'éteint. Donc, si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas prêt, vous arrivez là, vous voyez rien. Puis d'un coup, vous la voyez qu'apparaît. Voilà. Merci. Je suis dispo. Hein. Ne voudrais-tu pas m'écouter? Catherine, Catherinette, mamie, voici mon épingle d'or et je te la donne. Et je t'en prie que me vienne un beau cavalier. Catherine, Catherinette, mamie, tu m'en vois bien désolée, mais si tu ne m'accordes mari avant la fin de cette année, à Notre-Dame près d'ici, alors j'irai le demander. J'irai tenter ma chance, moi aussi, après. Elle est à 1 km, la fontaine. Je sais pas s'il y a un délai, 6 mois, 1 an, pour que la demoiselle se manifeste. Mais faut rien d'essayer. Je l'ai lancé en anglais. C'est des moines qui ont été exécutés ici au nom de la Révolution et on dit que leurs fantômes viennent hanter l'abbaye. Ça fait beaucoup de fantômes ici. Quand je vous dis qu'on est en Écosse,
nuit. Ouais, c'est pas une vue de l'esprit, hein, le côté morte-mer, mer morte, marécageux. Effectivement, là vous avez plusieurs grands étangs qui se succèdent. Sympa d'ailleurs, on peut faire là. On peut enchaîner après l'abbaye sur la petite balade autour de l'étang. Circuit des Ducs de Normandie, ça s'appelle ça. Là, on n'entend plus loin. Attendez loin là-bas. Très très mignon ici. Et d'ailleurs les moines utilisaient beaucoup ces étangs en fait dans leur subsistance, hein, puisque finalement les moines ici, la base de leur alimentation, c'était à la fois tout ce qu'ils pouvaient, toute la culture entre guillemets qu'ils pouvaient développer à partir de ces étangs et ces zones marécageuses, donc des lamproies, des oiseaux d'eau douce, et puis aussi le pigeonnier, hein, il se nourrissait pas mal de pigeons apparemment. Voilà, quand on dit, vous imaginez par contre ici l'hiver, comment ça devait être assez humide. On est vraiment dans une espèce de cuvette et de vallée. La bille est presque, vous pouvez le voir là, elle est quasiment posée au milieu des zones d'étang. On pourrait presque avoir l'impression qu'elle flotte et que l'eau pourrait envahir là-bas. Mais sinon là, l'endroit est très 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 mignon là, ça fait presque petite mangrove européenne. Bon, un dernier petit truc sympa, au final je suis arrivé de là-bas et je l'ai fait à l'envers. J'ai compris après comment ça fonctionnait, mais ils ont fait un petit truc sympa là, qu'ils ont le chemin des Ducs de Normandie avec des petites statues en bois et puis des croix métalliques qui illustrent le nombre d'enfants et femmes et concubines éventuellement qui ont pu avoir ces rois. Et juste ça fait une petite boucle avec ce que je vous disais tout à l'heure quand j'étais dans les ruines, parce que là justement on commence justement par le fameux Roland, donc ce viking entre guillemets scandinave qui avait fait lui justement des razzias plus bas selon de la Seine, hein, même aller assiéger Paris, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait en 911 le roi franc justement lui offre la fameuse Normandie, avec notamment justement cette condition et cette exigence que on te donne la Normandie, mais du coup toi tu la sécurises et tu empêches qu'il y ait de nouvelles raids scandinaves en fait sur les côtes de France, en particulier sur la Normandie. Donc on te donne la terre, mais toi par contre tu te mets un petit peu en vassalité du royaume de France et tu nous protèges contre tes copains en fait, contre tes frères scandinaves. Et donc voilà, on va avoir Roland en fait qui va fonder justement cette lignée des Ducs de Normandie, qui quelque part va aller jusqu'au Plantagenet, cœur de Richard Cœur de Lion, à l'île nord d'Aquitaine, par des mariages. Alors les premiers sont pas forcément très 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 connus, hein. Vous avez Guillaume, et puis voilà, bon, je vous rentre pas forcément dans les biographies. Ils vont, comme je vous disais, quand même le duché de Normandie, il va être très bien mis en valeur par les Scandinaves, il va devenir assez vite assez prospère, hein. Et en plus c'est une terre qui est assez stratégiquement placée du coup à l'époque, plutôt côté nord de la France, à l'époque aussi où se développe le commerce au niveau de l'Europe du Nord. Donc vous avez beaucoup de Richard, Robert, hein, c'était un peu les prénoms. Donc certains, donc techniquement il est censé être vassal du royaume de France, hein, le duc du roi de France, le duc de Normandie, donc certains on va dire va y avoir des bonnes relations, d'autres il va y avoir un petit peu déjà de la guérilla, de la tension avec des rois de France. Alors après pareil, hein, certains vont être très pieux, vont être connus pour leur sagesse, d'autres pour être des grands guerriers, il y en a un qui s'appelait, il me semble, Sanguinaire. Alors là on arrive quand même à notre fameux Guillaume le Bâtard / Guillaume le Conquérant, notre fameux Guillaume II qui partira à la conquête, qui hérite en fait très jeune, hein, quand il est encore enfant en fait, 7-8 ans, ils disent, duché de Normandie, puis qui va être aidé par le roi de France pour s'imposer, puis après comme il monte en puissance, finalement il va commencer à faire un peu roi de France, et donc lui en 1066, il part, notre fameux Guillaume le Conquérant, il part à la conquête de l'Angleterre, il défait le roi Harold
d'origine saxonne, c'est pour ça qu'on parle d'anglo-saxon, hein, qui était une tribu germanique qui était installée là depuis très longtemps en Angleterre. Faut dire que le roi saxon Harold, il avait aussi une invasion juste avant des Norvégiens, donc en fait il venait avec son armée d'être allé défaire en fait une armée d'invasion norvégienne qui était dans le nord de l'Angleterre, et il doit redescendre pour après combattre Guillaume. Ils sont à peu près à force égale, et c'est la fameuse bataille d'Hastings de 1066 qui est vraiment sur pas très loin de la côte sud-est de l'Angleterre, où finalement après une bataille un peu indécise, c'est Guillaume qui va l'emporter et puis qui montera sur le trône d'Angleterre, Mathilde et Geoffroy. Alors je suis pas certain que ce soit la même Mathilde, je ne voudrais pas dire de bêtises. Après, ce qui se passe, donc on a notre fameux Richard II qui est le duc d'Anjou, qui était déjà une famille noble assez puissante, hein, et qui en fait va s'unir, il va épouser en fait, je sais plus si c'est la petite fille ou quelque chose comme ça de Guillaume le Conquérant, et donc il va avoir en héritage en fait grâce à ça le duché de Normandie. Et puis après, il y a cette fameuse histoire, alors ça, vous pouvez trouver plein de vidéos sur ça qui expliquent ça très bien. Aliénor d'Aquitaine, qui possède l'immense duché d'Aquitaine, qui occupe basiquement tout le sud-ouest du royaume, qui est très très riche, et puis elle en plus qui est une femme très belle, très intelligente, très cultivée. Au départ, elle est mariée avec le roi de France Louis VII, et puis finalement, ils n'arrivent pas à avoir d'héritier, bon, il y a un peu de l'eau dans le gaz. Finalement, ils finissent par divorcer à l'amiable, on va dire, après que le pape accepte finalement le divorce, et elle épouse Henri II Plantagenet. Et alors là, c'est peut-être une des décisions qui a mis le plus de bordel dans l'histoire de France, puisque ça crée un royaume monstrueux, puisque le petit Henri II Plantagenet, il avait déjà le duché de Normandie, et avec lui, il avait récupéré la couronne d'Angleterre, il avait l'Anjou et le Poitou, et avec, en mariant Aliénor, il récupère tout ce qu'on appelle l'Aquitaine à l'époque, mais l'Aquitaine à l'époque, c'est, bon, c'est un peu la nouvelle Aquitaine d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire l'Aquitaine qui fait un tiers de la France, tout le coin sud-ouest en fait de la France, qui va presque basiquement du Poitou au Pays Basque, et ça va constituer ce que certains historiens ont appelé l'Empire Plantagenet. Alors le terme d'empire est peut-être un peu abusif, au sens où voilà, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'administration centralisée, mais quand même ça constitue sous sa vassalité, il dirige en fait de fait un royaume immense qui va du Pays Basque et des Pyrénées à l'Écosse, toute la façade atlantique en fait, par ce mariage. Après, parmi ses fils, alors il aura plusieurs fils avec qui ils vont se disputer un peu avant même qu'il soit mort. Il y aura le fameux Richard Cœur de Lion qui va s'allier avec sa mère contre son père. Bon, j'ai pas trop le temps de vous rentrer dans les détails. Il y a une vidéo de confession d'histoire qui est super bien sur ça. Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, justement aussi sur la seconde croisade. Et voilà, en tout cas, c'est intéressant cette partie qui va des ducs de Normandie aux Plantagenets, puisque cette lignée des Plantagenets qui va arriver notamment sur le royaume d'Angleterre et qui va rester sur le royaume d'Angleterre jusqu'au 15e siècle en fait, hein. Même les Lancastres et les York, la fameuse guerre des deux roses qui a inspiré d'ailleurs Game of Thrones, les Lannister et les Stark, c'est des descendants plantagenets en fait. Il faudra attendre après le 16e siècle pour qu'arrive finalement Henri VIII, Elisabeth, les Tudors. Et donc finalement il y a une lignée en fait royale française sur le trône d'Angleterre et sur l'île jusqu'au 15e, 16e siècle en fait. Et c'est finalement ce fait là qui va générer notamment la guerre de Cent Ans, sachant qu'il y avait déjà eu ce que certains historiens appellent une première guerre de Cent Ans dès le 12e, 13e siècle, avec cette rivalité justement entre le roi de France et Henri II d'Anjou Plantagenet, qui avait fondé cette espèce d'empire Plantagenet, puisqu'imaginez, le Plantagenet en fait il avait un royaume qui était trois fois plus grand et qui avait virtuellement plus de ressources et qui était plus riche que le royaume de France, et le roi de France qui à l'époque règne sur un domaine qui fait dont le domaine royal, c'est-à-dire le territoire qui est vraiment sous l'autorité réelle du roi de France, c'est très très peu en fait. C'est basiquement l'île de France et Orléans et un petit bout de Champagne, quoi. Et finalement, cette rivalité, en fait, elle va durer des siècles et des siècles. Et après, je vous renvoie à mes écritures. Cette rivalité franco-anglaise, elle renaît encore de ses cendres à l'aube du XVIIIe siècle. Pour cette fois, ce grand choc pour la domination du monde en fait, hein, du monde colonial, du monde maritime, et de cette mondialisation, globalisation, surtout économique, qui commence à arriver dans le monde, avec des Français et des Anglais qui se retrouvent en concurrence et en rivalité en Amérique du Nord, aux Indes, un peu, et puis dans les Antilles aussi, pour des raisons surtout économiques et commerciales. Voilà, là je vous renvoie vers mes écritures. En tout cas, très chouette abbaye, dont je vous recommande la visite si vous êtes dans la région. Bon, comme prévu, on termine
cette petite visite à l'abbaye de Mortemer par la chapelle Sainte-Catherine, la chapelle de celle surtout qui cherche un mari, qui prie pour avoir un mari. Elle est vraiment toute mignonne. Une petite source à côté. Là vous avez cette espèce de petite rivière qui arrive de l'abbaye et des étangs hein, qui sont à quoi, à 1 km à peu près par là-bas. C'est vraiment très mignon et très apaisant ici. Encore une fois, il y a vraiment un petit air de, je sais pas, d'Écosse, d'Irlande, de Bretagne. C'est celtique. Moi je trouve que ça fait celtique. Et donc voilà, vous avez la petite chapelle, le petit hôtel. Et vous voyez, vous avez la prière pour Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, soyez bonne. Nous n'avons plus d'espoir qu'en vous. Vous êtes notre patronne. Ayez pitié de nous. Nous implorons à genoux, aidez-nous à nous marier. Pitié, donnez-nous un époux, car nous brûlons d'aimer. Daignez écouter la prière de nos cœurs fortement épris. Ô vous qui êtes notre mère, donnez-nous un mari. Et vous voyez, il y a encore beaucoup de monde. Hein. Peut-être encore beaucoup de jeunes femmes qui passent, qui jettent une pièce et qui font le vœu ici. Il y avait beaucoup de choses comme ça dans les campagnes un peu partout. Hein. Et beaucoup de traditions disent que ça a marché un certain nombre de fois. Bon, ça marche que pour les femmes, dommage pour moi. Enfin, je sais pas si techniquement, si les garçons mettent une pièce, si les garçons célibataires mettent une pièce, est-ce que ça marche aussi? Voilà, voilà. Termine là cette jolie petite visite de cette Normandie du début du mois d'avril, très dépaysante. Les jonquilles commencent un petit peu à sortir sur les prés là. C'est vraiment un très bel endroit ici.